Go! Alors attends. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis Docteur Magnister, pour ceux qui ne connaissent pas, et voici mon fidèle acolyte, mon... pas mon homme de main, parce que c'est pas un schlag, Monsieur c'est une très Devin. bonne personne. Voilà, Monsieur Devin, alias Morningstar, son ancien Qui n'a pseudo. pas fait sa synchro, donc du coup l'audio est décalé. Ah! Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Apérophobia. Un monde dans les backrooms. Mais non. Et là, c'est... Ouais. Et là, c'est la deuxième dépression nerveuse, sauf que là, il n'y a pas de monstre, donc nous sommes relativement En sécurité. tranquilles. Vous vous sentez en sécurité. Tu l'as vu, en plus, la vidéo de Feldjep, je vais vous montrer, je crois. Ouais, sûrement. Vous vous sentez en Ah sécurité. oui. Par contre, comment ça se fait qu'il n'y a plus d'eau? Avant, on est d'accord, il y avait une giga traînée d'eau. Ouais, avant, il y avait beaucoup d'eau. C'est vide. Par contre, j'ai vu un objet intéressant derrière. Est-ce qu'on pourra le récupérer si on refait le jeu? Derrière. Ouais, derrière, il y avait un truc dans la piscine. J'aimerais voir ce que c'est. C'est un casier, mais rien. C'est sûr, il y a un truc à faire avec. Non. S'ils ont retiré l'eau pour mettre ça, je suis sûr qu'il y a un truc. Viens, on va regarder dans le doute. Ouais, vas-y. Mon personnage asthmatique, il veut pas courir. Oh mon dieu, je vois tout noir. Oh frère, par contre, vraiment, nos personnages, quand ils sont allés dans les backrooms, vraiment, ils ont pas pensé à faire du sport, hein, vraiment. Oh, leur cardio, il est pété au sol. Ça était déjà à l'époque, hein, mais tu peux rien faire avec un party bag dessus. Want to make something. Ah mais c'est un truc d'électricité. Ah mais c'est un truc d'électricité, ok. Voilà. Déçu. Choqué, déçu. Et là, Je me souviens. imagine si je fais un accéléré, mais genre en x2 là. Là à là, donc on aura des voix de merde. Ah oui, c'est ça que je veux parler. Imagine, genre, on parle des chimiques, mais c'est pas terrible. Là, on des max avant 5 minutes. Ouais, c'est bizarre. Ouais, faire un Je monte dans accéléré. ma cave. Bon, maintenant on enchaîne le labyrinthe de la mort, qui pue la merde, allez, voilà. Oh là là, avec l'eau en dessous qui n'est pas du tout. Oh! Père, Oh! viens là, viens là. Non, viens là! Oh! Oh! Ah, ah ça va éviter parce que YouTube il est pas très gentil avec moi en ce moment. Moi, ça va. Moi, il m'a strike une vidéo, j'ai pas aimé. Donc en vrai, je vais pas continuer avec mes bêtises. Même si quand même les tuyaux ressemblaient drôlement à une croix allemande de la Seconde Guerre mondiale. Je me demande à quoi elle peut bien ressembler. Oh là là! Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête les créateurs à ce moment-là. Non mais non mais moi je dis je pense qu'il y a un petit peu de racisme Les dans la puissants création d'Antari. de Oh. ces backrooms. Par contre mec, quand tu regardes l'eau en bas, on est d'accord qu'on dirait de la chiasse. Tu n'as Ouais. pas le droit de dire le contraire. C'est vraiment de la merde. Dans les égouts, les piscines, dans la piscine, gros, c'est les égouts. Est-ce que je suis la sainte lumière? Ah, j'ai trouvé un panneau d'électricité, ma gueule. Allez, hop, ça sert à rien, je me fous. Ah, cette expression que j'utilise, que je n'ai, ça peut, bah, que j'utilisais tout le temps avant, mais que je n'utilise plus. Se fourrer. Ah vraiment, je trouve pas cette putain de sortie, j'ai l'impression de tourner en rond. T'inquiète, je vais la trouver. Ah là 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 là. J'y suis presque, de toute façon. Je ne me souviens plus d'où est la sortie. Je tourne en rond comme une petite pute. Oh là là. Oh, un conduit violet. Oh my god, I found the sainte lumière. Oh yes, go in the sainte lumière, Oh! please. J'ai eu les simulations de corps, je les ai tous eues. J'ai eu le succès, voilà. Bah vraiment, je trouve que dalle en Je fait. suis officiellement un demi-dieu. Bon, je vais bientôt être au niveau de la croix allemande de la Seconde Guerre mondiale, je pense. Putain, moi en fait, qui juste je cherchais le simulation de corps, c'est tout. C'est pour ça qu'on n'est Ah, pas mais sorti, je c'est suis tout. là. Bon, tant pis, je vais me mettre dans un coin et je vais pleurer. Pleure.
Pleure, effect, s'il vous plaît. Ça passera ton temps, pleure. J'ai trouvé la sortie. T'as intérêt de pleurer plus fort, parce que là, mon gars... Là... On est mal. Alors, si tu me dis qu'il a rajouté un monstre, je me suicide. T'as intérêt de pleurer plus fort. C'est même pas pleurer, là, c'est crier de douleur, là. Non, pas lui. J'espère que tu connais la sortie, gros. Tu t'en souviens ? Viens. Pendant ce temps-là, nos deux héros intrépides partent à la recherche d'une éventuelle sortie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelque chose les suivait depuis le début. Ok. Je te suis, on est d'accord, hein, tu t'en souviens. Presque. Ah ! Mais il faut longer les bords. Double A ! Mec, viens voir, 5 secondes. Il a pensé quoi le mineur en fait ? Oh my god. J'entends quelque chose et à moi ça me fait pas plaisir. What the fuck ? I hear something not cool. I want to cry. Far Cry, yes, good game, Far Cry. No, Far Cry, I want to cry. Oh I my god, to me too, I want to cry, I hear it. My English accent is very chasse. I don't love this place. I don't love this place, man. Putain, on est revenu au début, gros. Mec, je crois on est des pauvres merdes, finalement. Ah, tu vois vraiment, la chanson ça... dans Cars au tout début là. Oui. J'ai regardé ce matin. Oh. Mais je vais me rappeler que c'est un film pour enfants et que on n'est plus les enfants. Oh, je joue encore au Lego, alors tu me diras. Hein. Ça ressemble étrangement à ça la sortie. Mais je m'en bats les couilles parce que j'ai quelque chose pour ma défense. Oh! Je l'ai entendu. Non, moi j'ai entendu la sortie. Surtout. Bah dépêche-toi parce que j'ai entendu le monstre et il est proche. J'ai senti son souffle. Ton père a chié au recul! Très mal modélisé, très mal animé, mais putain. Arrête! Nous un cul-de-sac, gros. Non, ta mère. Mais arrête de siffler, toi aussi! Tu la tires! Mais j'ai pas sifflé, c'est pas moi, gros. Respire. Et je m'en pense à Case qui ne fait pas peur. Parce que ce jeu est mal fait. Je crois qu'on est retourné au début. Est-ce que c'est la dépression nerveuse et la vidéo va durer 1h30 et ce sera 50 minutes sur ce niveau et Ah, moi personnellement je vais mettre un x4 peut-être si on trouve pas la sortie mais. Moi je te jure j'ai Moi je vais mettre un x2, je veux nous entendre en cheatment. Ouais x3 parce que c'est la concurrence. Je vais vous montrer.
Ah, en fait, je vais trouver une grande extrêmement grande. Donc, il y a peut-être moyen de trouver une portée ici, bien. Ah, vraiment, je suis dans. Je suis dans. Je suis dans un vieux, toute sa merde. Je vois bien, frérot, c'est quoi cette lampe de chez Wish là? Je te nique ta mère. Arrête de courser, fils de pute. Voilà. Oh, j'ai vu mon oeil. C'était Wish. Je l'ai fait de face, il est en train de mourir dessus, t'as bouché de boîte. Tu sais, en vrai, voilà, genre, pas simple, tu peux voir. En fait, attention, c'est ici que je vais te porter, c'est ici qu'on va faire des réflexions. Vite, là, peut-être. Je ne te vois plus. Mais je ne te vois pas, j'ai peur de tomber sur la. Ah, c'est bon. J'ai pas envie de tomber sur le gars gris, moche et mal. Mal modélisé. Oh, parce que. Oh, vraiment, il pue la merde. Mais en fait, sur Roblox Studio, c'est un script JU. Dites-moi si je dis un peu la vérité, parce que je m'y connais pas trop en coding de Roblox. Mais grosso merdo, dès qu'il boot, il prend ton skin et du coup ça fait un rib et puis nique sa mère. J'ai envie d'invoquer le saint YouTube, mais non, mais on va éviter, mais ah, ça me démange. And I think to myself, what a wonderful world. I want to die now right here. Meet. Eh hey, frère, franchement, heureusement, y a pas une jauge de faim et de soif. On serait mort. Hein. Ouais, bon, c'est largement. Hey, frère, don't you know that my heart is hurt frère. By this level? Yes. My brain just want commit suicide. Me too. Arrête de siffler, tu vas l'attirer là. C'est toi qui as sifflé. C'est pas moi. Le portail. Non. Je l'entends. Non, jure ta maman. Je l'entends. Oui. Je l'entends. Il est là. Je l'entends. Je l'entends. Oui. Je l'entends plus fort. Je l'entends encore plus. Je l'entends encore plus fort. Il est là. Il est là. Oui. Fils de pute. Oui. Après. On a quel âge? 30 ans. Ah bah je suis à la retraite. Voilà. Désolé. Au revoir. Oh, j'arrête ma chaîne YouTube. Non, c'est quoi? C'est quoi? La vie de ma... Non. En cours. Non. Ok. Ça devrait bien se passer, techniquement, je suis jamais mort dans ce niveau. Est-ce que... Oh, ils ont fait les textures, gros. Ils ont fait les textures, hein, je trouve pas. Là, pour le moment, je suis occupé à ma survie, on en reparlera à la dépression nerveuse. Je refuse. Nique sa mère. Mais putain, j'ai cru. Comment le gars il a eu le temps de dessiner Run? Oui, il a eu le temps de dessiner ça, ma gueule. Oh, il est proche. 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 Il est proche. Ah oui. Oh non. De toi, oui. Et avec... Moi, non. Et avec mon perso asthmatique, là. Vous remarquerez que j'ai une technique assez particulière pour courir à chaque fois. Il est loin, on l'a semé un peu. Let me go. Let me. J'ai loupé la sortie, je suis un fils de pute. Je suis jamais mort dans ce niveau, c'est pas de mal à veille que je vais mourir. Pareil. Va te faire foutre, nique ta mère. Je... Ta mère la pute. Faut aller où? Comment? On a bientôt fini. Ah, j'ai la goutte de sueur sur le front, mec. On a bientôt fini. Je veux... On
On a fini. Je vais pas te mentir, j'ai la putain de goutte de sueur. Ouais, ils ont clairement refait les textures. Ah oui, ils les ont fait. C'est bon maintenant que tu remarques, toi. Bah, en fait, je veux pas trop remarquer parce que j'étais concentré dans le cours. Oui. Par contre, cette animation avec mon personnage militaire, elle est tellement stylée quand il enfonce la porte là. BAM! Insertion tactique. Welcome to the gulag. Ah vraiment, le gars il se lève comme au gulag. Si tu joues à Warzone, je fais une comparaison maintenant, c'est la même chose. Wow. Welcome to the gulag. We shall survive. Par contre, tu te mets pas à siffler comme un connard, s'il te plaît, sinon je vais péter un câble. Non, mais dans tous les cas, c'est la fin. Non, je n'y crois pas. J'abandonne. Je vais me mettre dans un coin là-bas, je vais pleurer. Oh non, faut recompter. Ah, oh, fait chier. Mais j'ai un bloc-notes. Donc ça veut dire que je peux noter combien précisément il y a de couleurs. Ouais, mais on peut arrêter la vidéo tout de suite, du coup, parce que ça fait 20 minutes. Donc ne t'embête pas à compter, Billy. On va se laisser tout de suite. Bon, donc, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai envie d'y aller. Voilà, depuis la... Arrête. Et arrête. Et arrête. Et du coup, j'en ai marre de ma vie. Non, il se met à siffler en boucle, arrête. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve dans la vidéo. Et puis arrête de me poursuivre. C'était Docteur Manister. Au revoir. Et Monsieur Deval. Ciao. Et je vous dis une très bonne journée ou soirée. C'était Docteur Manister.